Bonjour, je m'appelle Lola Oliveira, j'ai 27 ans et j'ai réalisé une formation l'année dernière de peintre en décor à l'école Blo. Alors, moi j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en 2019. J'ai exercé pendant 2 ans le métier d'ingénieur, de chef de projet dans le domaine agroalimentaire. Et après 2 ans, j'étais un peu en manque de liberté et d'indépendance. Donc j'ai décidé avant tout de me mettre à mon compte. Et ensuite, j'ai essayé de chercher finalement un domaine qui pourrait me permettre de me lancer à mon compte. Quand j'étais toute petite, je faisais beaucoup de dessins et de peintures, beaucoup de copies. Donc ça m'est apparu un peu comme une évidence de choisir le métier de peintre en décor. Et étant originaire de la région, forcément j'ai décidé de réaliser une nouvelle formation pour apprendre un nouveau métier et j'ai choisi l'école Blo. Alors, comme je le disais déjà, je suis originaire de la région, donc l'école Blo, c'est une école que j'ai toujours connue finalement. Et je me suis quand même renseignée sur d'autres écoles, mais l'école Blo, c'est celle qui me paraissait la plus complète au niveau de l'enseignement. Chaque école de peintre en décor a ses spécificités et l'école Blo propose un enseignement très varié. Donc moi, c'est ce qui me correspondait le plus pour pouvoir être indépendante et exercer mon métier toute seule. Alors, je dirais que l'école Blo m'a apporté un peu tout. En fait, en 10 mois de formation, j'ai vraiment pu apprendre un métier de A à Z. Et c'est ça la force de l'école, c'est que moi, j'ai obtenu mon diplôme l'année dernière et quelques mois après seulement, j'ai pu ouvrir mon auto-entreprise, donc au mois de janvier, il y a quelques mois. Et grâce à toutes les matières différentes et tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai vraiment pu réussir à ouvrir mon entreprise et créer des projets, gérer des projets seuls. Alors aujourd'hui, donc comme je le disais, j'ai ouvert mon auto-entreprise en janvier, il y a quelques mois. Alors une partie de l'année, je travaille pour un atelier de peinture décorative à Paris. Ça m'a permis de travailler notamment dans des endroits comme le Louvre ou l'hôtel du Ritz. Et l'autre partie de l'année, je suis principalement fresquiste finalement. Je réalise des fresques et des décors pour des particuliers ou pour des entreprises. Et par exemple, en ce moment, je travaille à la Castine en Ardennes. Donc c'est un spectacle vivant qui est joué tous les étés et je réalise les peintures et les décors pour ce spectacle. Alors, mes projets à venir, c'est pas si simple parce que, en fait, j'ai absolument concrétisé tout ce que je voulais depuis que j'ai eu mon diplôme. J'ai ouvert mon entreprise, j'ai des chantiers tout au long de l'année, je réalise vraiment tout ce que je veux. Donc, je dirais que sur du court ou du long terme, tout ce que je voudrais, c'est que ça continue comme ça. Alors, rejoignez l'école Blo, c'est une super école. Vous allez apprendre un métier merveilleux, plein de créativité, plein de techniques. Et grâce à cette école, vous allez pouvoir vous épanouir au quotidien.